Bonjour. Le 9 juin dernier, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. Je vous renvoie vers les vidéos de Sacha Sidorik sorties cette semaine sur le sujet. Ainsi, les élections législatives auront lieu dimanche prochain, et depuis 8 décennies, l'extrême droite n'aura jamais été aussi proche d'accéder au pouvoir. L'ASTEC est une association d'éducation populaire, portant des valeurs humanistes, qui milite pour l'esprit critique et promeut la science. L'extrême droite, qui se caractérise notamment par le culte de l'autorité, l'essentialisme et la fermeture à l'altérité et l'antithèse de la pensée critique. Dans son article « Que reste-t-il de la pensée critique sous un gouvernement d'extrême droite ?», le Cortex détaille 8 menaces que représente l'extrême droite pour l'esprit critique. Vous pouvez aussi aller voir les dernières vidéos des chaînes de Philoxime, de l'esprit critique ou encore de la mal biaisée. Leur accession au pouvoir compliquerait grandement notre travail, que ce soit en raison de baisse de soutien public ou de restrictions de liberté qui nous impacteraient directement. Si vous n'êtes pas sûr de vous rendre aux urnes ou de la personne à qui vous donnerez votre voix, mais que vous voulez défendre l'esprit critique, nous vous appelons à prendre conscience de l'importance de votre vote et à faire preuve d'esprit critique dans le choix de votre bulletin.